Salut à toi, jeune rider. Alors aujourd'hui, on va vous faire une vidéo explicative, tutorielante du setup gilet. Alors, qu'est-ce que tu as à nous dire, Mathias, sur ton setup gilet? Plutôt pratique, efficace, rapide d'utilisation. Donc on a évidemment tous les éléments de sécurité. En première utilisation, on peut surtout s'utiliser une petite pince multifonction. Super pratique pour la circoncision. Un casque de qualité, évidemment, qui a une dizaine d'années. Voilà. C'est des normes à 15 ans normalement pour ces casques. Ils sont super solides. Vas-y, teste pour le mien. Oh, super. Voilà. Là, on est nickel. Voilà, pareil pour le casque. Je tiens à rajouter qu'il y a une option pour la visière. Voilà. Alors, on peut voir très bien quand on lève la visière. Par contre, quand il y a du soleil et tout, Tac, c'est mieux de la baisser là, quand il y a de voilà, la on pluie. baisse la tête dans les Voilà. passages, on baisse la tête. Voilà. Et du coup, en parlant de baisser la tête, moi je vois mon gilet. Donc je commence à vous expliquer mon gilet. Allez. Alors déjà, premier point à ne pas négliger sur le gilet, c'est la sécu. En fait, le gilet, du coup, c'est un jackpot, Ico jackpot, parce que moi je trouve que c'est des gilets qui vont vite aujourd'hui dans le monde du kayak. Et pourquoi jackpot? Parce que en fait c'est super pour un setup gilet. C'est un gilet assez vierge. En fait j'ai pu tout faire moi-même. Voilà, grâce à la pince de mon collègue. Ensuite, jamais, du coup, je disais la sécurité, jamais négligée. Voilà, donc là, il y a mon kit de mouflage que, hop, comme ça, là, je peux le visser, dévisser, hop. Parce que voilà, si vous n'avez pas le système vissant, ça peut se bloquer sur votre pointe. Voilà, regardez un exemple. Imaginez, ça c'est une pointe. Voilà, le système n'est pas vissant. Hop, et là, je me fais chambouler dans tous les sens. Qu'est-ce qui arrive quand on se fait chambouler? On boit. Ouais, d'abord, on commence par boire. Donc voilà, je vous présente Fischer Alsacienne qui est isotherme. Donc normalement, regardez, y a des. Oh! Qu'est-ce que t'as largué? Ah, il a largué sa pince. Ouais, pince largable. Donc voilà, ça peut s'ouvrir et il y a un joint d'étanchéité. Donc c'est parfait, ça pour mettre rester à l'étanche, pour garder à l'étanche sa bière. Pardonnez-moi, je stresse. Ensuite, voilà, donc là où je voulais en venir, c'est que si c'est coincé, on refait l'exemple du coincement. À tout moment, je peux larguer ça. C'est-à-dire que, hop, vous voyez derrière, il y a mon système de largage. Donc bien sûr qu'il faut. Voilà, là il est vissé, donc il faudra que je pense à le dévisser. Voilà. Ensuite, admettons, ça c'est un système d'anticipation au rappel. C'est les rappels où on tourne vraiment en rond. Donc là, hop, je vais faire un tour. En rappel, j'ai juste à attendre deux tours. Et voilà. Et puis ça se largue. Ça se largue très bien, Voilà. voilà. Hop, maintenant, admettons, tu tires. Je suis Voilà. le courant. Le courant tire, voilà. Tout est largué. Ensuite, dernière chose sur mon gilet, un point super important. Donc, Attends, en parlant de choses largables, oui. je tiens à préciser que sur le mien, dans mon setup, j'ai choisi de mettre un pouf largable. Alors en fait, c'est tout simple, vraiment. Vas-y, Naël, t'es le courant. Tire, tire. Voilà, donc en Voilà. fait, ça c'est largable. Et ça a pour but de pouvoir s'asseoir n'importe où, poser, Voilà. pour consommer des douceurs. On y Poser, reviendra on y après. reviendra. Mais deuxième cas de situation avec le pouf largable. Imaginons. Bon, on va pas le relarguer parce que vous voyez comment c'est. Imaginons, regardez, le courant est super puissant comme sur les rivières du Zambèze. Retourne-toi, tiens, fais Ouais. comme si tu étais en train de nager. En fait, le pouf largable va gentiment aller se poser sur le fessier du nageur pour le protéger en cas de choc. Donc, C'est aussi grâce à ce pouf largable, vous pouvez marcher au fond des rivières. C'est nouveau ça. un très bon élément pour, par exemple, signaler sa position quand on est immergé. Donc, par exemple, dans un rappel, eh ben voilà ce petit objet, je sais que je vais le larguer et en fait il va flotter au niveau du rappel du long. Ah. Alors que moi, je suis en train de boire.
La fissure alsacienne, oui. Au fond du rappel. Donc, très important, signalisation pour les copains. Bon, système largable, très classique. Super. Alors moi, j'achète. Hein. Dernière chose. Voilà, je vous ai pas parlé des faces cachées de mon gilet. Donc là, mon gilet, bon, je le trouve super parce que, voilà, là, si je m'approche de la caméra, vous avez une cigarette aromatisée largable. Donc, magique. Voilà. Magique. Voilà, aromatisée et magique. Mais elle se largue très bien, donc c'est super ça en cas de... Non. Ça par exemple, ça n'intervient pas dans le gilet. Ah oui, pardon. Voilà, pardon. Excuse-moi. Donc moi, je tiens à aussi présenter ma cigarette magique, mais moi, je suis plutôt parti sur un modèle étanche. Donc comme vous voyez, là, un tonk de très, 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 très simple, oui. Avec une petite charge de magie. Voilà. Donc moi, souvent, je le coince ici. Voilà. Tac, dans mon gilet. Ça a été prévu pour, hein, ils sont bons. Et je tiens à l'allumer avec un briquet. Un allume-gaz des plus classiques. Mais écoutez, moi j'ai tendance à prendre du bon temps en solitaire, mais voilà. Là pour une fois je vais vous faire une exclue devant la cam. Donc voilà, le super, voilà. Donc voilà. Plus qu'à approcher. C'est simple. C'est hop, nickel. Bah, voilà. Écoute, tant qu'on y est. Super. Là il me reste plus qu'à le relarguer, à le délarguer. Et du coup, pendant que mon collègue est en train de s'occuper donc, de son briquet largable, de son chalumeau largable, autant pour moi, je vais vous montrer ce que j'ai donc dans la spécialité du jackpot. C'est la petite poche queue de castor. Donc voilà, si je recule un peu, voilà, elle est superbe. Alors, ton joint étanche marche bien ? Bah, franchement, c'est une première. Et en fait, ce qui permet, donc moi, j'ai vu que j'ai tout le matériel de combustion sur moi. Mais ça permet tout simplement de faire des petites pauses entre 2-3 navigations. Donc par contre c'est un peu fort. Et voilà, donc là je fais une petite pause dans un stop. On voit plus trop. Voilà. Alors excuse-moi, j'ai changé un peu le setup lumière. Je voulais vous montrer ma poche. Donc je veux bien que tu la tiennes s'il te plaît. Je vais vous montrer ma poche, donc jackpot. Voilà. Là, ça en vaut vraiment la peine. Donc voilà, donc là on voit très bien la forme. La forme donc de ce qu'il pourrait y avoir à l'intérieur. C'est un système de sécurité, des cordelettes. On appelle ça des cordelettes double nœud machin prussique. Donc voilà, dedans on pourrait y retrouver très à l'aisement donc de quoi se ravitailler sur des clopes aromatisées magiques. Voilà, toujours dans le domaine du ravitaillement. Bon, ça c'est au cas où si vous voulez aromatiser encore plus vos clopes entre les navigues en cas d'hypoglycémie. Et voilà. Évidemment, ce qui va avec, c'est le petit couteau. Voilà, le couteau détaillé et préparé sa cigarette. Alors là, vous allez me dire, alors, j'aime bien m'expliquer parce que vous allez me dire, oui, ok Naël, le couteau, pourquoi tu l'as mis juste en dessous de ton cou, ça peut être dangereux, tout ça. En fait, donc les gens avaient pour l'habitude, donc si je l'enlève, avaient pour l'habitude de le laisser ici. Et en fait, il y a eu beaucoup de cas donc, comme quoi le couteau allait se balader devant le visage. Sauf que du coup, si vous anticipez cette position, donc c'était une étude qui a été rondement menée par deux Américains. Exactement. Voilà. Donc, si vous anticipez la position et vous le posez là, par évidence, le couteau hop, se baladera vraiment au-dessus. Donc, vous n'avez plus aucun risque et au pire des cas, ça arrive sur le casque. Le casque qui est prévu, bien sûr, à cet effet. Bien vu. Alors... Qu'est-ce qu'on a d'autre sur la suite ça c'est juste un morceau de corde. Moi je crois que j'ai fait le tour. Écoute, je sais pas où t'en es. Non, y a plus rien. Bah écoute, moi mon gilet qui a son avantage d'être très simple et peut-être résumé assez rapidement. Léger. Oui. Ça reste voilà. Après un moment, si vous perdez la notion du temps, vous pouvez toujours lire l'heure sur le soleil. Voilà. Évidemment en buvant. Et puis grâce à cette fonctionnalité de bouteille, ça j'ai oublié de le dire, vous pouvez amplifier du coup l'ombre du soleil pour savoir lire plus précisément l'heure. Vous avez juste à la placer sur un caillou ensoleillé. Voilà, j'ai tout dit. C'est tout pour nous.
Merci de votre attention, les jeunes riders, jeunes rideuses. Et donc, à la prochaine. Peace.